Construire deux segments OM et ON de même longueur et perpendiculaires en haut. Combien je prendrai? Allez, 6, soit. 6, perpendiculaire, avec la règle d'or du kangourou. Voilà. Une figure exacte est la moitié de la démonstration. Certains disent ça, la moitié, mais l'autre moitié est bien plus importante. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bien. Angle droit. OMN. Allez, 6 cm, mais ce n'est pas ça important. OM égale ON. Tracez le quart de cercle de centre O et d'extrémité M et N. La pointe en haut jusqu'à N. Je trace le quart de cercle. Allez, je le mets en rouge. Que je ne fasse pas du grabuge. Regardez. Regardez. La précision, l'imprécision de ce quart de cercle. Alors, placez un point M quelconque sur le quart de cercle. Alors, on le place ici. Quelconque, on ne sait pas où, plus haut, plus bas. Bon, le problème ne dit rien. Et construire le rectangle. Le rectangle OAPB, tel que A se trouve sur OM et B sur ON. OAPB. Rectangle, donc je mets la perpendiculaire qui passe par P, la perpendiculaire qui passe par P à ON. Bien. Tiens, tiens, tiens. Voilà. Perpendiculaire. O à PB. Angle d'angle, trois angles droits, le quatrième est aussi droit, d'après une propriété. Bien, donc on a ce rectangle, joli rectangle. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent démontrer que AB égale OM. AB, AB ce truc. AB. AB égale OM. Si j'étais malin, je disais, monsieur, je mesure AB. AB, ça nous fait 6. Regardez bien. AB, ça fait 6. OM, ON, ça fait 6. C'est dans la poche. Oui, mais en mathématiques, très souvent, il faut démontrer. Ça veut dire quoi, démontrer? Ça veut dire utiliser des propriétés de la figure pour arriver à un résultat. Ce n'est pas en mesurant des segments qu'on y arrive. Hein. Ça, c'est dans d'autres domaines, mais pas en maths. En maths, on démontre avec des propriétés et des données de l'hypothèse. Alors, c'est quoi OAPB? Vous l'avez su, hein? C'est un rectangle. Ben, c'est un rectangle, alors AB, sa diagonale dont je parle, est égale à l'autre diagonale. Bien sûr. OAPB rectangle. Donc, AB égale OP. AB égale OP. C'est presque fini. Il faut que OP soit égal à OM. Est-ce que OP est égal à OM? OP est égal à OM ou pas? Mais bien sûr, OP égale à OM, c'est des rayons du cercle. OP, OM, ON. Tout ça, c'est des rayons du cercle qu'on n'a pas tracé. On traçait juste un quart de cercle. Alors, c'est dans la boîte. OP égale OM. AB égale OP. Regardez de ces deux égalités. Donc, qu'est-ce qu'on tire? Donc, AB égale OM. Ce qu'il fallait démontrer.
ou pour ceux qui ont perdu leur, qui n'ont pas perdu le latin, quod erat demonstrandum. Allez, tout le monde, quod erat demonstrandum.